Didi Factory, la troisième. Je suis hyper contente de vous retrouver. Allez, suivez-moi. On a toute envie de se sentir bien. Se sentir bien, ça dépend de ce qu'on mange et forcément de ce qu'on a dans nos placards. Et pour savoir ce que c'est qu'un placard qui nous fait du bien, j'ai invité Frédéric, naturopathe, qui va nous expliquer tout ça. Alors Frédéric, est-ce que tu peux nous dire exactement ce qu'est une naturopathe ? Oui, bien sûr. Je suis à la fois thérapeute et éducateur de santé. Donc c'est cet aspect qui nous intéresse aujourd'hui. Donc j'apprends aux gens comment être en bonne santé, comment bien se nourrir. Et c'est pour ça qu'on va regarder ce qu'il y a dans tes placards aujourd'hui. Oh, j'ai peur. Non. Bon, on va aller voir ce qu'il y a dans ton frigo si tu veux bien. Je veux bien, j'ai pas le choix, non ? Non, en fait c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver de bien ? Tiens, ça c'est bien. Ok. Et puis tiens, ça, il y a des choses à dire là-dessus. Bon, alors maintenant on va regarder dans le placard si tu veux bien. Ça n'arrête jamais, ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais. Alors, dans l'huile d'olive, c'est bien. Ok. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre ? Des chewing-gum. Formidable. Et puis, tiens, le pain de mie du petit déjeuner qui est resté. Complet. Bon, les soda light, c'est pas une bonne idée. Parce qu'en fait, c'est sucré à l'aspartame. Et justement, ça fait pas grossir, c'est génial. Ça fait pas grossir, mais c'est vraiment pas bon pour la santé. Il vaut mieux boire de temps en temps un vrai soda plutôt que boire du soda light à longueur de temps. D'accord, donc on oublie. Oui, et l'eau, c'est ce qu'il y a de mieux. Bon. Le pain de mie... Alors j'ai pris un pain de mie complet, parce que c'est vachement bien le pain de mie complet. C'est bien, mais c'est pas bio, et quand le pain complet est pas bio, tous les pesticides sont dans la coque, donc il vaut mieux éviter ça. Du pain du boulanger bio, complet, ce sera beaucoup mieux. D'accord, donc là j'ai tout faux en fait. Non, il y a l'huile d'olive qui est bien, elle est première pression à froid, ça veut dire qu'elle n'a pas été chauffée et que les acides gras n'ont pas été abîmés. Et le fait qu'elle soit bio, ça permet aussi d'éviter qu'il y ait trop de pesticides puisque c'est le gras qui garde tous les produits chimiques, donc ça c'est très bien. Un très bon point. Alors là, ça se corse un peu. Un petit chewing-gum pour terminer le repas. Un chewing-gum qui est sucré au sorbitol. Le sorbitol, ça donne des désordres intestinaux. Ah, donc ça, c'est bon à savoir, effectivement. C'est bon à savoir. Donc, si on veut terminer le repas par une note fraîche, on se brosse les dents. Oui, effectivement. Voilà. Marque un point. Bon, une petite soupe. Une soupe, je l'ai achetée au rayon frais. Mmh. Plein de légumes, plein de bonnes choses. Ouais. Alors, la soupe au rayon frais, c'est plutôt pas mal. Surtout celle-là, quand on regarde la composition, il n'y a pas d'acidifiant, d'anti-machin, de bidule. Donc, ça c'est plutôt bon. Point. Bon. Bon point. J'ai 2/5, quoi. C'est pas mal, non ? Comme quoi, bien manger, ça n'est pas si compliqué. Plus aucune excuse. Moi, j'adore la combi, c'est la pièce facile à vivre et elle se prête à tous les usages. La preuve. Alors, la combi de plage, elle est courte, elle a un imprimé de circonstance, on la roule en boule au fond du sac, elle s'enlève et elle se remet très facilement, elle est tout simplement indispensable. La petite combi pour la journée, on la porte pour aller bosser, pour un déj avec des copines ou tout simplement pour aller boire l'apéro. On ne la quitte plus. Bon, alors la combi de soirée, je vous le dis tout de suite, c'est ma préférée. Pourquoi ? Parce que je n'en peux plus qu'on essaye de nous caser la petite robe noire à toutes les sauces. Donc voilà, la combi de soirée. Est-ce que j'ai vraiment besoin de dire autre chose ? Je m'écoute très bien un peu de musique. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement l'oublier. Et puis... Finalement, je crois que je vais écouter... Ouais, celle-là, elle est bien celle-là. So sentimental, no sentimental, no romantic, not disgusting. Bon, ok, je vois bien que personne ne me croit. Je vais vous livrer mon secret. Mon secret, c'est Clément, Jukebox Humain. Bonjour. Alors, Clément, comme ça, il paraît que tu connais plus de 3 millions de titres. Ouais, allez. 3 253 866. Ah ouais, balèze. Ok. Mais le plus simple, généralement pour les événements, c'est que j'arrive avec une liste où il y a à peu près 50 titres. Ouais.
Ah bah si, une liste. Ah ouais, canon, ok. Donc là, par exemple, sur cette liste, je peux te demander n'importe quoi, tu es capable de me le faire. Tout à fait. D'accord, mais c'est ce qu'on va voir. Si je te demande la 19. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. Ah, le mec est bon. Bon, je pense que t'as eu de la chance quand même, donc on va en tenter une deuxième. La 25. La 25. Elle m'a dit d'aller là au sifflet sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli les fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Bon, t'es vraiment incollable en fait, c'est ça l'idée. Ah oui, c'est ça l'idée. Ouais, très bien. Et donc, même si on se met à chanter avec toi, tu peux, t'es encore capable d'être incollable. Encore mieux, c'est moi j'adore quand les gens chantent avec moi. Ah ouais, chiche. Bah évidemment, chiche. Ok, très bien. Si je te dis... Bon, ça c'est mon petit plaisir coupable, hein, donc te moque pas. Hein. En même temps, c'est sur ta liste, donc... Mais tu sais, le human jukebox n'a pas de sentiment et il l'exécute. C'est parfait. Alors, je vais te demander Cœur de loup. Cœur de loup, c'est parti. Pas le temps de tout lui taire, pas le temps de tout lui dire, juste assez pour tenter la satire qu'elle sente que je veux lui plaire. Je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter. La victime est si belle et le crime est si gai. Ah, c'était bon ça, check. Yes, merci à toi. Merci Clément.